jour qu'on dort, qu'on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Ouah, les gars, je vous ai toujours dit que quelqu'un ne peut pas être suivi par 100 000, 200 000, plus de 200 000 personnes et vous dites qu'il influence qui. Par exemple, vous venez souvent mettre votre commentaire bizarre là, ça me fait rire. Voilà un gars qui sort une vidéo, ça influence les grands influenceurs. Écoutez d'abord ceci. Ok. En passant, cette vidéo que vous allez écouter là, ça date de 2 semaines. C'est une vidéo que j'avais faite où j'ai demandé les preuves des dits de Facebook. Ok. De vous à moi. Qui est bête. Je m'interroge. Mais je vais vous dire, il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Comment ça? Moi, je comprends rien. Quelle est la preuve de tout ce qu'on raconte sur Facebook? Point d'interrogation. Écoutez d'abord papa. Bonjour les enfants. C'est papa. On y va. Comme j'ai l'habitude de le dire, ici, vous voyez, c'est la clinique. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre vient faire aussi. La vidéo. En telle année, l'autre a pris des millions tel endroit. Pour faire ceci, pour faire cela. L'autre a pris, il n'y a pas de capture d'écran. Il n'y a pas de papier de virement bancaire. Il n'y a rien. Vous croyez? Allah, on a souffert. Ici, ce n'est pas un commissariat où les gens viennent chercher les preuves et je ne sais pas trop quoi, les coupables. Non, ici, ce n'est pas un commissariat. Ici, ce n'est même pas un organe de presse. Ici, ce n'est pas le journal. Vous voyez ce que je veux dire? On ne cherche pas les scoops ici. Ah bon? Ah bon? Ici, là, si tu veux les informations, tu passes sur les pages et sur les sites et sur les radios, les télés, là où on donne les informations. Parce que c'est là-bas que nous autres, nous-mêmes, on passe chercher les informations. Mmh, yeah, yeah. Quand j'ai dit ça, la deuxième chose, c'est que dans la clinique, justement, c'est un open bar. On parle de tout. C'est-à-dire? Le sujet principal à la clinique aujourd'hui, c'est qu'on demande justice pour Martinez Zogo. Ça, c'est clair. Donc, l'une des choses qui fait que nous soyons une machine puissante, c'est que nous réussissons à faire partie de la vie de tous les Camerounais. Quoi? T'as dit quoi? C'est que nous réussissons à faire partie de la vie de tous les Camerounais, de tout le Cameroun, chacun en fonction de son centre d'intérêt. T'as dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. Chacun en fonction de son centre d'intérêt. C'est pour ça que nous sommes une clinique généralisée. Nous ne sommes pas une clinique spécialisée. Maintenant que je vous ai dit ça, et que je crois que c'est clair dans nos esprits. Mais oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Ensuite, écoutez l'homme des dossiers noirs de samedi. Je vais vous dire, moi j'ai pour les migonnes. Aujourd'hui, certains disent qu'il faut plutôt croire à terre et non manger pour les migonnes. Quelle est donc cette façon? C'est justement pour vous amener à la confusion. Comment ça? Moi, je comprends rien. Parce qu'ils savent que tout ce que j'ai fait depuis 1, 2, 20, 30 ans, c'est donner la bonne information. Quelqu'un fait une liste. Sans preuve, sans capture d'écran. Sans une vidéo qui montre que voilà la personne qui prend l'argent quelque part. Sans faire la capture que voilà le dépôt qu'on a fait à telle personne. Parlez seulement comme ça. C'est ça qui fait ma notoriété. Je ne peux pas me permettre de venir jeter terre dans la vindicte populaire. Je ne peux pas choisir des noms, des gens, pour dire que tel a pris du pognon, comme si j'étais à la loterie. Et celui-là, parce que je suis bien dit, il dit non, je n'ai rien pris, je n'ai rien pris. On dit, oh, vous voyez, il a dit non. Mesdames et messieurs, depuis quand, même quand vous prenez un voleur chez vous, quel voleur vous a dit qu'il a pris? Et toi qui m'as dit, dis pas tout sur Facebook que moi j'ai aussi cassé 1 million. Non. Donc tu as dit sur Facebook que moi j'ai pour cassé 1 million, cassé 1 million. Tu connais cassé 1 million? Tu as le poids comme le groupe électrogène. Ça c'est le visage de cassé 1 million. Je ne peux pas choisir des noms, des gens, pour dire que tel a pris du pognon, comme si j'étais à la loterie. Tu es ma déception. Donc c'est moi j'ai cassé 1 million. Je vais partir au Gabon. Et t'as moi aussi au pays. Mesdames et messieurs, depuis quand, même quand vous prenez un voleur chez vous, quel voleur vous a dit qu'il a pris? Donc c'est moi qui a cassé Milan. Je ferme ta sale bouche. C'est prostitution qui est mieux pour toi. Vous croyez hein? Jamais. Vous croyez hein? Jamais de la vie. Vous croyez hein? Jamais. Et non à celui qui n'a rien à gagner dedans. Le Cameroun. Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Revenons-en sur cette fameuse liste. Bon, ça va.
On a compris, non? La vidéo t'intéresse, non? Partage alors. Abonne-toi si tu es nouveau. Ok. Il y a des gens qui sont venus ici me dire, Franco, tu ne peux pas passer à la clinique de Valsero. Franco, tu es en train de taguer J.Remingono. Tu veux qu'il parle de toi. J.Remingono, je ne peux pas passer dans le salon, ou bien dans le dossier noir, ou bien je ne peux pas passer à la clinique de Valsero. Je ne peux non plus passer sur la page de Congosa de Aïcha Lacamoise, comme vous pensez là. Ce n'est pas parce que toutes ces personnes ne m'écoutent pas, tous là me suivent. Tu ne peux pas faire une vidéo, tu as 100 000 vues en moins de 48 heures, 150 000 vues en moins de 48 heures, tu dis que les gars qui dorment sur Internet ne te suivent pas. Ceux qui ont essayé de tenir mon image, ceux qui ont essayé de gesticuler pour montrer que Franco est ceci, vous pensez que ces gens-là n'ont pas cherché à comprendre, à savoir qui est Franco le mignon? Ils ont compris que non, le gars qu'on parle là n'est pas vraiment celui qu'on dit là. Vous pensez qu'il ne me connaît pas parmi tous ces gens-là? Ils me connaissent. Ils me connaissent. Pour que je passe à la clinique, il faut avoir les mains sales. Tout ce 80-90% de ceux qui passent à la clinique, entrez en profondeur, vous allez comprendre que les gars mènent des actions un peu un genre. Tous ceux qui passent au salon de J.Remingono, au dossier noir de J.Remingono, vous comprenez, non? Donc, quand je parle, quand les gens viennent ici dire, tu influences qui? Mon ami, ce n'est pas le... C'est ça qu'on appelle l'influence. Et on ne fait pas les bruits. Hein? Il a sorti une liste. Écoutez bien ce que J.Remingono dit après sa liste. Je ne peux pas choisir des noms, des gens, pour dire que tel a pris du pognon comme si j'étais à la loterie. Vous avez bien compris, non? Donc ceux qui veulent se justifier que wow, restez juste tranquille. Voilà, lui-même, il justifie encore sa liste. Vous allez m'attendre au salon de JP. Vous allez m'attendre à la clinique. Vous allez m'attendre sur le Congosa de Aïcha longtemps. Mais le gars, je ne suis pas sain. Mais je fais le maximum d'efforts. Le fort pour être un peu juste. Vous comprenez? Les gens n'ont pas compris mes propos quand je soutenais mon grand frère qui a investi, machin, tout ça. Je soutenais l'investissement, je ne soutenais pas autre chose. L'autre, là, les autres, le reste ne me concerne pas. Mais l'investissement, les jeunes. Travaillez dur et investissez. Donc, travaillez dur et construisez votre vie. Laissez le tot ne sert à rien. Le tot ne donne rien. Créez les business. Créez les affaires. C'est ce que je vous recommande. C'est ce que je vous demande également. Vous comprenez? Le tot ne peut pas vous faire avancer. Le vin, le champagne, le whisky, tout ça, rien. Créer des entreprises. Vous comprenez, non? Je ne vous demande pas d'aller voler ou bien d'aller tuer ou bien d'aller faire ci ou faire ça, verser le sang, faire ceci, machin, pour investir, pour faire... C'est pas ce que je demande. Mais je dis, dès que vous avez l'occasion d'avoir un peu, parce que le bonheur ne sourit pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours que Dieu donne l'opportunité. Apprenez à saisir vos opportunités quand il est temps. Donc, dès que quelqu'un a l'occasion, il faut investir. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Vous m'avez bien compris, non? Après, venez dire toujours que oh, Franco bavarde. Nye, 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 nye. Comme une vieille mébami. Partage si tu as aimé la vidéo. Hein? Surtout, abonne-toi si tu es nouveau. Hein? Pour ne plus rien rater. Ok. Voilà, pour tous ceux-là qui me demandent chaque jour comment monétiser la page Facebook, monétiser la chaîne YouTube. Voilà donc l'occasion. Vouri TV, le boss, Patrick Kenyé, le boss de Vouri TV, lance donc une formation. Pour comment gérer une page Facebook et gérer une chaîne YouTube jusqu'à la monétisation. Appelez le contact là en bas pour avoir plus d'informations. C'est demain, après-demain. Après-demain, samedi, ne ratez pas l'opportunité, ne ratez pas l'occasion. Venez encore me perturber. Voilà l'opportunité. Contactez-le rapidement. Hein? Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.